Vous souhaitez reprendre une affaire en franchise. Il est légitime que vous posiez la question, est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? L'avantage de la reprise, c'est en franchise, c'est justement l'avantage d'une reprise déjà, associée effectivement à tout ce que peut apporter une franchise en elle-même, avec son concept, son savoir-faire, sa transmission et son accompagnement. La reprise en franchise donne un avantage évident, c'est de pouvoir se concentrer directement sur ce qui est le plus important, l'humain. Le modèle étant éprouvé, on peut tout de suite se concentrer sur faire grandir ses équipes, les former, tout en s'appuyant sur un modèle éprouvé, un concept qui a déjà fait ses preuves. L'avantage d'une reprise en franchise plutôt que d'une création, bien évidemment, c'est de démarrer avec un business déjà établi, une belle assise de chiffre d'affaires qui permet tout de suite d'aller beaucoup plus vite, de progresser, de s'améliorer et d'avoir des moyens pour accélérer son business rapidement. Donc les avantages de la reprise à la franchise, vous allez non seulement bénéficier de l'expérience d'un franchiseur, mais du fonds de commerce, de l'expérience d'un franchisé qui s'est déjà implanté un local, donc c'est un accélérateur de temps. L'avantage de la reprise en franchise, c'est que vous achetez non seulement le concept, mais vous rachetez aussi le fonds de commerce. Donc vous avez une bonne visibilité sur la rentabilité du concept. Donc reprendre une franchise, ça permet tout simplement de développer une activité en s'appuyant sur une clientèle déjà existante. L'avantage de la reprise en franchise, c'est très simple, c'est l'accélérateur, c'est le gain de temps. Vous allez gagner les 2 à 3 ans de la montée en puissance de votre entreprise, vous démarrez directement votre exploitation, vous avez de la clientèle, vous avez du flux d'affaires, c'est un gain de temps et donc c'est très important pour créer de la valeur. Quand on reprend en franchise, effectivement, il y a déjà un courant d'affaires, déjà des clients et déjà une équipe. La capacité d'un repreneur doit être celle d'un bon manager.